Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Tsum Tsum. Alors c'est assez spécial puisque je vais vous montrer aujourd'hui deux livres. Alors un, ça s'appelle Ultimate Sticker Collection. Donc comme vous le comprenez bien, ce sont des stickers. Et l'autre, c'est le Collector's Guide. Voilà, donc ça c'est importé d'Angleterre. Tout sera en anglais par contre. Allez, je vais commencer par le livre de gauche. Alors en fait, là on a une partie qui se rabat. On a un scratch ici. Alors ici on a Can You Find. Alors là c'est un petit test. Bon, c'est sympa, vous pouvez répondre. Et on a les solutions en bas. Et ici, vous voyez tous les Tsum Tsum. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et voici l'arrière. Voilà. Donc, ça coûte 8 livres. Donc, environ 10 euros. Voilà, je vous montre la tranche qui est très sympa. Très colorée. Avec des Tsum Tsum. Donc, il y a 1000 autocollants. Et en fait, vous les collez comme cela. Donc, c'est comme un photoalbum Panini. On a des très belles illustrations, des photos par thème. Donc là, c'est Reine des Neiges, par exemple. Donc là, on peut coller des autocollants. Meilleurs amis. Talenti Tsum Tsum. Amazing Adventurer, donc les aventuriers. Là, vous pouvez en coller d'autres. Les héros et vilains. Ah, c'est marrant. Love. Ah oui, ça c'est les duos. Lonely Lady, Work It. Voilà, donc maintenant on passe aux stickers. Voilà. Là. Donc c'est à vous de retrouver où les mettre. On a des indications ici pour pages 10 à 11, 12, 13. Ils sont très sympas, donc vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'album, hein, vous pouvez les mettre ailleurs. Parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Moi je vais garder comme ça intact, hein, je vais pas y toucher, juste pour ma collection Tsum Tsum. C'est très varié. Alors soit on a des dessins, soit on a des photos de Tsum Tsum peluche. Moi j'aime bien les deux. Alors là, c'est trop mignon, c'est les extra stickers. Donc vous avez vu les grandes pages où on pouvait mettre des autocollants qu'on voulait. Donc c'était ceux-là. Donc des petits pictos comme ça, c'est trop mignon. Encore d'autres extra stickers. Donc vous les placez librement. Là aussi. La même chose. Et il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc vraiment, il y en a 1000 quoi. C'est impressionnant. Donc ça va, hein, le prix c'est pas si excessif pour tout ce qu'il y a dedans quand même. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup et encore des petits. Voilà, voilà. Donc c'est aux éditions DK. Donc voilà. Je connais pas, ça doit être anglais en fait. Il y a un site internet ici où c'était américain. Je vais passer maintenant au Collector's Guide, donc tout en anglais aussi. Donc sur la couverture c'est trop mignon, c'est un petit peu brillant sur les yeux, le nez, la tranche et l'arrière. Alors ça c'est 5 livres, donc environ 6,50€, 7€. Donc là ça commence comme ça, on a un petit marque-page ici qui se rabat. Paragon. Le sommaire ici. Donc en fait il présente les personnages. Avec un petit descriptif pour chacun. Il y a même leur phrase, c'est drôle. Comme plutôt c'est ya ya ya. Tic et tac. Noisette ou. Soin d'Almacien. Winnie l'ourson. Bambi. Pinocchio. Lady and the Tramp. Alice in Wonderland. Toy Story. Frozen, la petite sirène, Blanche-Neige, Aladdin, Peter Pan, Big Hero 6, nouveau héros, Lilo et Stitch, Cendrillon,
un bel au bois dormant, Dimbo, Zariskosha. Et voilà, et Perry. Et voici la fin. Voilà. Donc mettez en commentaire ce que vous préférez, soit les autocollants, soit le Collector's Guide. Moi honnêtement je préfère le Collector's Guide, je trouve ça trop mignon et pratique pour voir tous les personnages. Je pense qu'ils en feront d'autres puisqu'il y a d'autres personnages qui vont sortir en Tsum Tsum. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour voir les photos. Moi je vous retrouve prochainement pour des nouvelles reviews Tsum Tsum. Merci d'avoir regardé.